Il se nomme Oryx. Il est le roi des corrompus. Et il vient pour vous, gardien. Comment le blâmer? Vous avez tué son fils avec sa propre épée. Je laisse l'honneur à l'aîné. En fait, Destiny rassemble un peu tout ce qu'on aime dans les jeux vidéo, c'est-à-dire on adore le style de jeu, le FPS, tir à la première personne. On aime le jeu online et surtout la coopération. Et voilà, Destiny rassemble tout ça. Nous permet de vivre une aventure, de la vivre ensemble. Nous, on est frères, donc on aime faire les choses ensemble. C'est ça qui nous plaît. Et après, en plus, tout l'univers du jeu, le graphisme, tout cet univers, les planètes, la science-fiction, les pouvoirs, les différentes habilités des personnages, l'expérience, plus tu joues, plus tu grandis, un tas d'armes différentes. Ben, voilà, il y a des possibilités infinies, donc c'est tout ça qui nous plaît. Moi, Nico est un peu de au-dessus de moi, je dois être à 275 de lumière à peu près. Et Nico un peu au-dessus. Moi, je vais être à presque à 300. J'ai joué un peu plus que Luca. Je trouve que sur le Roi des Corrompus, on a encore plus de contenu, plus de missions, plus de nouveaux challenges, plus de nouveaux contenus qui arrivent voilà, au cours de l'année. Là, maintenant, c'est pour Noël, les courses de passereaux. Après, à chaque fois, on voit que tous les mois ou toutes les semaines, il y a des nouveautés, des nouvelles missions à l'intérieur des missions, par exemple dans les raids, des nouveaux objectifs, tout un tas de quêtes, que ce soit sur le multijoueur ou sur le mode solo, le mode aventure. Donc voilà, c'est tout. C'est vraiment améliorer la version précédente. Voilà, plus de choses à faire. Tout le temps, on n'est jamais lassé. Ouais. Oui, les plus difficiles, ouais, c'est sûr. C'est sûr, il faut plus de. Faut être, avant de pouvoir l'affronter, il faut être bien costaud, bien avoir progressé, avoir fait monter son niveau de lumière, les armures, les armes. Donc on le bat pas par hasard. Ben, c'est simple, il faut toutes les nouvelles armes, toutes les armures, toutes les pièces d'armure qu'on a, il faut les garder parce que derrière on peut faire on peut les infuser et on peut faire progresser nos armures légendaires dès qu'on en a, donc faut faire ça. Et après, moi j'aime bien, dès qu'il y a Xur, voilà, acheter des 3 de deniers chez lui et m'en servir pour looter des engrammes légendaires, voire exotiques, sur les boss, à différents niveaux. Traîner à la cour d'Oryx aussi. La cour d'Oryx, ouais, on aime bien. Pas mal d'armes à looter là-bas. Bonne chose à faire. Donc voilà. Ouais. Ouais, ça doit y jouer un petit peu. C'est vrai que nous, on fait un sport collectif. On a l'habitude d'évoluer tout le temps ensemble. Donc c'est un petit peu un prolongement de notre sport. Nous, c'est vrai qu'on a toujours aimé jouer ensemble, jouer en collaboration. Donc pour ça, Destiny, c'est le jeu ultime, vraiment. C'est parce que tu as besoin de jouer en équipe pour pouvoir battre tous les boss, pour pouvoir aller plus loin. Il faut que tu sois en entraide. Sinon, si chacun y va pour sa peau, ça marche pas, ça le fait pas. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est important, de jouer en équipe pour pouvoir aller plus loin. Léon de Destiny. Tu sais qu'elle est dure, celle-là. Elle est dure. Bah, c'est toujours bah, c'est ce qu'on a dit un petit peu avant. Voilà, l'équipe, nous, on joue en équipe, on gagne en équipe. Chacun apporte
un peu ses compétences au groupe et ses savoir-faire. Et là, dans Destiny, c'est pareil. Quand tu pars sur un raid à 5 ou sur un assaut à 3, on est vraiment une équipe. Donc chacun a une compétence spéciale. Le titan, il va être plus costaud auprès. On va avoir le chasseur qui va se mettre de loin, l'arcaniste. Chacun va apporter un peu ses compétences. Voilà, c'est ça. Le lancer de grenade qui se ressemble un peu au geste d'un handballeur. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un sport d'équipe et Destiny, c'est un jeu d'équipe. Depuis, il est en quête de vengeance. Il rassemble une obscure armée pour vous traquer. Mais j'ai entendu les légendes. Vous êtes prêts? Attirer son attention. Maintenant, allez chercher sa tête.